Bienvenue dans l'univers de la création et du développement de jeux vidéo. Un coup d'œil sur le passé nous permettra de constater les innovations technologiques en matière de qualité et de diversité des jeux. Regardons la progression des périphériques de contrôle, aussi appelés micro-ordinateurs, plateformes, machines, consoles ou systèmes. Leur commercialisation a débuté autour de 1970. On leur attribue un succès incontestable, surtout depuis les années 80. Suivront les ordinateurs et consoles portables, qui propulseront la technologie, si bien qu'aujourd'hui, les jeux vidéo sont présents sous forme de simulateurs, de téléphones cellulaires et même en éducation. Une évolution qui s'échelonne sur une période de 40 ans déjà. Un type de jeu vidéo désigne le caractère principal des actions que le joueur sera appelé à expérimenter. Les plus communs sont les jeux de sport, course, précision, aventure, combat, réflexion, infiltration, de rôle, stratégie, simulation et sans oublier les jeux de rythme et musique. D'abord connus sous forme de bornes d'arcade, puis de consoles de jeux individuelles, les jeux vidéo, ludiciels ou vidéoludiques, signifient logiciel informatique utilisé à des fins ludiques. La création d'un jeu peut prendre entre 1 an et 3 ans, parfois plus selon le type de jeu. Les jeux vidéo sont créés à l'intérieur de studios comme celui-ci, par des développeurs, pour être ensuite manufacturés et distribués. Les concepteurs sont les premiers à entamer le travail, c'est-à-dire créer les mécaniques du jeu. Ils puisent leurs inspirations de plusieurs sources. Ils testent chaque nouvelle tendance en divertissement. Ils sont constamment en quête d'innovation. Le jeu est conçu à partir d'un concept qu'ils inventent, tout en respectant certaines contraintes comme l'éthique, les délais, la puissance électronique de la machine, le public visé et surtout la qualité du produit final. En fait, on organise plusieurs rencontres, des réunions d'équipe. L'idée, c'est vraiment de faire un gros bouillon d'idées puis de les partager ensemble. Premièrement, on est tous des gens extrêmement passionnés puis on aime tous débattre de nos idées, mais aussi et surtout sur comment une idée est amusante, comment c'est fun, parce que c'est vraiment notre but principal. Et puis pour ça, pour aiguiser nos réflexes, pour être capable de localiser le fun dans une idée, pouvoir se déterminer ça, on joue constamment à tout ce qui sort. Oui? Qu'est-ce qui fait les jeux? Eh bien, en fait, c'est beaucoup de gens qui font les jeux. Et c'est donc en travaillant avec eux dès le début, en organisant des réunions avec eux et en leur expliquant notre vision, qu'eux peuvent arriver ensuite de ça à utiliser leur expertise et à créer le jeu. Les programmeurs créent un prototype, c'est-à-dire un exemplaire du jeu, afin d'en démontrer la validité. Si les contraintes sont remplies et que l'ingénierie est démontrée, le concept est approuvé. Le programme conçu permet des interactions avec l'environnement selon les entrées du joueur. Le déclenchement se fait par un périphérique comme une manette, une souris ou un clavier. On commence par une première équipe restreinte, on commence à établir un concept. Et le but de tout ça, c'est vraiment de tout le monde de s'entendre, puis de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, puis de tester les premières mécaniques de jeu. Une fois qu'on a notre concept de bien établi et notre prototype, là c'est un moment super excitant pour l'équipe parce qu'on attend que le projet reçoive le feu vert. Donc à partir du moment où on commence le développement du jeu, le jeu il se bâtit graduellement, mais l'équipe, elle s'agrandit à la vue d'œil. Donc, ce qui est important, comme dans toute chaîne de production, c'est qu'il y a des choses qui doivent arriver avant d'autres. Donc, un des rôles du producteur, c'est de faire en sorte que ces choses-là soient faites avant que d'autres commencent et qu'il n'y ait pas de perte de temps dans le processus. Le producteur s'assure que son équipe connaît bien la vision du projet et les étapes de sa réalisation. Il y a un directeur artistique, un directeur technique et des concepteurs qui collaborent plus étroitement avec les artistes et programmeurs de chaque discipline. La technologie des logiciels de graphisme donne de nouvelles dimensions au dessin, faisant usage de précision, mais aussi de programmation. Les modeleurs créent en 3 dimensions les objets et personnages du jeu selon les proportions voulues et la limite de polygones. Plus un élément contient de polygones, plus il est difficile pour l'engin du jeu de l'afficher ou l'animer à l'écran. L'animation des personnages et objets constitue un autre métier en soi.
Les animateurs créent les mouvements et réactions des éléments, soit fluides ou en contraste avec leur environnement. Parmi les animateurs, il y a ceux qui produisent les cinématiques, de courts films présentés à divers moments du jeu, soit pour marquer un passage vers un niveau supérieur, ou en narration de l'histoire, ou en introduction. Les artistes de son font l'enregistrement et la modulation des effets sonores. L'assemblage des composants du jeu est un travail délicat, surtout à la fin du projet. Les ingénieurs doivent travailler minutieusement. Chaque changement au code peut causer un effet domino dévastateur sur la stabilité du jeu. Une fois certains éléments fonctionnels, le travail des testeurs s'effectue. Leur tâche se poursuivra jusqu'à ce que le jeu soit sans défaut majeur. Les groupes de test servent à obtenir des commentaires de la part de la clientèle à différents moments du processus. L'assurance qualité permet d'analyser le jeu à partir d'une série de tests conçus pour déceler toutes les anomalies, qui seront ensuite ajustées. À partir de ce moment, le décompte est commencé. C'est la fin des changements. On ne fait plus que du polissage pour les dernières semaines jusqu'à la soumission du produit au manufacturier. Les plus récents logiciels de jeu sont généralement produits pour un ou plusieurs des systèmes suivants. Xbox 360, Nintendo DS, cellulaire, Wii, Mac, PC, PSP et PlayStation 3 et 2. C'est souvent le type de jeu, la nature des mécaniques, la complexité des graphiques qui déterminent notre capacité de s'adapter sur le même jeu d'une console à une autre. Donc, les jeux vidéo doivent être conçus dès le départ en fonction des différents types de consoles. En gros, les constantes percées technologiques nous permettent de repousser les limites de la qualité des graphiques, la narration des histoires et la création des environnements. Les possibilités sont infinies.